Arthur. Oui, oui, oui. Je suis avec vous, chaque fois, on m'entend bien ? Super, m'entend bien. Nickel. C'est délicieux. Super. C'est délicieux. Eh ben, écoute, on va partir directement pour l'animation d'aujourd'hui, le petit quiz entre nous. Aujourd'hui, donc mettez bien évidemment ouais. les webcams, préparez-vous parce qu'il va se passer quelque chose. C'est un blind test aujourd'hui qu'on va faire. Faut le savoir, la dernière fois, on avait fait un quiz qui avait été remporté par DFG, si je dis pas de bêtises. Alors, c'était en équipe avec Kameto, le dernier quiz. Ah, oui, quiz. Avec Kameto, et juste avant, on avait fait le blind test que Gob avait remporté. Donc, on va faire rapidement le point sur les trophées de chacun. Pour savoir qui et où. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai vu Dwagby reporter en Irak. Oui, excellent. Je suis désolé. Non. Ça tire beaucoup dans les parages. J'espère que tout va bien se passer. Non, voilà. On en est tranquillement à 3 trophées du côté de DFG, 1 trophée pour Gob et 0 pour Nono, 0 pour PA, 0 pour Jones. Ouais, salut. Peut-être aujourd'hui, vous allez marquer votre premier trophée. Alors, le petit problème avec Jones, alors les caméras, c'est pas bon, hein, mais ça va se régler. Jones, éternel deuxième. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens bien? Est-ce que c'est ton jour? Le blind test, il faut savoir que normalement, c'est toi le favori à chaque fois, parce que t'en as fait énormément dans ta vie. Oui, si. Ça dépend du rayon. Parmi nous, t'es considéré comme le boss du blind test. Ouais. Je te le dis, voilà, si tu le savais peut-être pas. C'est un rayon. En coulisses, on a peur de toi. Des fois, on en a parlé. Ok, quelques hype. On a fait le convaincre. Le plus important, c'est que le meilleur gagne. Donc pour l'instant, Gob a été meilleur, mais j'espère que ce sera moi une fois. C'est vrai, Gob qui avait remporté le dernier blind test. Vous pouvez jouer aussi, vous, sur le chat. Pour le moment, il y aura d'autres choses qui vont arriver par la suite qui seront beaucoup plus sympathiques. Mais pour le moment, jouez sur le chat, profitez-en, battez-vous entre vous. On va commencer directement par une étape individuelle. 8 musique à trouver par personne en fonction du thème qu'il aura décidé. Ensuite, on partira sur une section libre, 10 musiques à trouver, et ensuite, ça sera le thème imposé. Il a 3 trophées DFG là. Ça vaudra 2 points au niveau du thème imposé. Est-ce qu'on peut choisir l'ordre de passage? DFG qui va s'occuper de ça. Alors, qui va choisir en premier? Les thèmes, on les découvre tout de suite. S'il te plaît. Premier thème, série, tout simplement. Deuxième thème, les films. Troisième thème, du rap français. Quatrième thème, les musiques célèbres de publicité. Et cinquième thème, le rock. Le rock de manière un peu générale. Rock and roll. Ah, je suis trop nul en touche pratiquement là. Alors voilà, qui. Ah ouais, carrément. Ah, mais moi, rock. Ah ouais? Genre là, les gens, je voyais les gens qui disaient. Non, mais par contre, Gob, la douille, elle passe plus maintenant. Parce que la dernière fois, tu t'es dit pareil. Je connais rien à part du Metal Goblin et tu lâches à 13 points. Non, mais il y avait. J'étais tombé sur jeux vidéo, c'était parfait. Oui, jeux vidéo. Ouais, mais t'as fait un sans faute. Donc du coup. Mais même après, il y avait d'autres musiques et tout. Dans le time. Oui, j'ai retenu le truc des babouins sur. D'ailleurs, sur le chat, qu'est-ce que vous auriez choisi comme thème? Dites-le. Et DFG, oui? Le tirage a donc été effectué en temps direct par Lucien Justice. Bon. On va commencer par Jones s'il l'accepte. Ensuite, ce sera à mon tour. Puis nous aurons Nono, PA et Gob. C'est vrai que de mémoire, il avait commencé. Moi, j'étais dernier. Moi. Premier à passer Jones, deuxième à passer DFG, troisième Nono, quatrième PA et cinquième Gob. On va commencer directement pour pas perdre de temps. Jones, 5 thèmes, série, film, rap français, musique célèbre de publicité. Un choix. Rock and roll. Je le prends ou pas? Qu'est-ce que tu choisis? J'allais prendre le rap, mais c'est pas. Ah bah mec, hésite pas. T'es là pour gagner, c'est hein. C'est vraiment. Parce que je vois que DFG a 3 trophées. Veux, donc faut le bloquer, gros. Il faut enlever à DFG. Alors si tu le veux, vas-y, mais ne me déçois pas. Non, mais choix stratégique. Non, mais si j'assure 4 points, déjà je suis content. Choix stratégique, il te bloque, c'est énorme. C'est magnifique. Parce qu'il prend des points et il en fait perdre à son adversaire. Allez, rap français. Rap français. Tu fais au moins 6 points. Mais je connais pas les musiques. Toi, tu les connais peut-être. C'est le but, justement. Rap français, on valide? Allez, j'essaie. Il y a de la triche. J'essaie. Rap français pour Jones qui va démarrer sa session. C'est pas bon pour un peu de respect pendant que c'est à lui de répondre, mais n'hésitez pas à interagir. Combien par joueur, pardon? 8 musiques par thème. Oh, la page. 8 musiques par thème. Le rap français qui a été grisé parce qu'il a été sélectionné. Jones, j'espère que t'es prêt. Oui. C'est parti pour la première. On aurait dû mettre 15. Ah. Oh la vache! Wow. Bonne réponse! Ah, dès que j'arrive! Très très bonne réponse, Rop! La puissance! Ah, un point pour mon époque, Jones! Ma vie, mon rap s'entrechoque! Pour même! Si je pars, ma musique elle reste! Bonne réponse, un point! C'était facile, ça va peut-être se corser! Deuxième extrait! C'était avant qu'ils vendent des téléphones, ça! J'entends pas fort du tout par contre. Ouais, je sais pas si on peut augmenter le volume ici. On entend pas très fort de l'autre côté, je sais pas sur le live ce que ça donne, mais facile. Super. Oh,
moi c'est connu. Tintin. Ils sont incroyables sur le chat. Là, ils sont en train de t'insulter. Est-ce que je te laisse quelques paroles? Ouais, en fait, la musique a pas commencé du coup. Ah là, c'est un piano. Mais je la reconnais pas. Quelqu'un là déjà? Oui. La voix, lui, ah, on oui. peut reconnaître. Toi, tu l'as? Oui. Tu la diras si Sean se trompe. Non, en vrai, ça me redit quelque chose, mais j'aurais pas trouvé. Là, tu l'as, t'as rien. Stop, c'est le retour de Ken Master. Stop. Ah, ouais, voilà. Non. Quoi? Non. Il a dit Ken Master, hein. Mais ça sert à rien, je l'ai pas, je le dis. Mais sur le si chat, t'as juste l'artiste, t'as le droit? Oui, l'artiste, c'est le droit. Non, mais j'entends, c'est le retour de Ken Master, mais genre, je sais pas. C'est Ken le Fennec. Non, on t'en fait un. Ken le Fennec. On peut envoyer la musique pour vérifier. Quelqu'un l'avait? Du coup, on a. Je sais que c'est Nekfeu, je sais pas laquelle c'est. C'est Martin Eden. Nekfeu, bien évidemment. Martin Eden. C'est trop bien parce que je fais le mec jusqu'au moment où je passe et j'ai plus le chat. Je suis en mode. Je sais pas. Mais sans la. Là, si tu m'avais laissé ça, j'aurais trouvé. Ça, c'est pour ça que. Là, en fait, j'ai entendu 30 secondes d'instru. Après, elle est très connue, normalement. Dès l'instru, celle-là se trouve si tu la connaissais. Okay. Mais je veux bien un peu de parole. Dès l'instru, c'est ça. C'est du rap, c'est du rap français. Mais directement au milieu, les musiques. On enchaîne avec la troisième. Un point pour le moment. Ah, là. C'est de l'Afrique. Plus de cartables, il ne saurait pas quoi en faire. Je vais me tromper. Ayam. Bonne réponse. Ah putain, j'aurais dit Ayam, petit frère. Ouais, ouais. Deuxième bon point pour Chaud. Dit... On enchaîne. MHD. MHD. Très très bonne réponse. MHD Champions League, très facile. Quatrième bonne. Non, troisième bonne réponse, pardon. On enchaîne avec le cinquième extrait. Soprano. La titre Ghetto. Tous les mains. Elle là. C'est ça. C'est halala. Halala. Bonne réponse encore une fois. On enchaîne. Très facile cette série rap français. C'est la guerre. On va te fumer avant de tirer sur le calumet. Ah, lourd, le gros son de doigt. Stop. On sort la cale. Pardon. Je l'ai même pas entendu. Genre, bon, on remet un petit peu. C'est vrai qu'ils ont parlé en genre, même temps. Le truc est pas fort. Et si vous parlez, j'entends pas. On est pas tout seul. On est pas tout seul. Ah oui. Stop. Mafia Capri. Oui, le titre. On n'est pas tout seul, touche ça va cliquer. Eh bah, c'est une mauvaise réponse. Qu'est-ce que c'était? Caris, non? Ça, c'est du gradure, mes amis. Oula. Moi, je connaissais pas. C'est gradure. Okay, on n'est pas tout seul de gradure, j'ai mauvaise pas réponse. Chat, celle-là. Mais j'avais avant. Attention. On enchaîne. Moi, je connaissais pas. Extrait suivant. Ah. Oh. Vous allez l'art Joe Star? Non. Pas. Non. On peut pas lui compter. C'est NTM alors. Ah. Ouais. Ça c'est passe ou pas? Ah oui, c'est bon. Mais du coup, attention. Après, Joe Star fait partie. Il y a NTM, okay, du groupe, mais bon. On accepte. Il a fait des sons en solo, mais on accepte. On accepte NTM. On accepte NTM. Sur cet album. Nouveau dernier extrait pour toi. D'accord. Et on enchaîne. Les soirées de samedi soir, quelque pas samedi soir. Moi, ça c'est trop section ça. D'assaut. C'est un bon morceau. Le titre, c'était vraiment bien ça. Section d'assaut, What's It By Night. Exactement, voilà. Très très bonne réponse. Là, ça fait 6 bon. Points si je dis pas de bêtises. Sur 8 extraits, 6 points. C'est le minimum. Rap français, on est tous un peu calés. En plus, c'était notre génération. J'avoue. On est plutôt bien. 6 puntos pour Shones dans cette première série. Il avait cool DFG d'ailleurs, les 6 puntos. Deuxième à passer, c'est DFG. T'aurais fait 8 sur 8? J'aurais fait 8, ouais. 100%? Ouais, je pense. Ah ouais, franchement, j'aurais fait 4-5. Mais c'était pas très dur là, ça. Ah non, ça allait, c'était franchement. Moi j'avais été sympa. 6, je suis content. Non, mais 6, ouais, non, 6, 6 ça était bien. 6, c'est fier de toi. Pour un non-expert rap, c'est vraiment honorable. Bravo. 4 thèmes restants. D'ailleurs, Maître Gim, je savais pas qu'il avait pas la nationalité française. Voilà. Ah ouais, il a regardé j'ai appris ça. On est pas couché, t'as regardé. Ouais. Il est quoi? Il est ivoirien. Congolais, non? Je sais pas. Qui ça? Gradure? Non, je vais assumer. Ah. Et il refuse de se naturaliser. Non, c'est pas qu'il refuse, c'est qu'il a pas pris, il prend pas le temps de le faire. Oui, voilà. Oui, là, la flemme, il s'en bat les couilles. Oui. Bah, c'est long, la démarche. C'est la version sympa. Après, ouais, vous en pensez quoi, déjà? Film, série, musique célèbre de publicité ou le rock and roll? Qui passe après moi? C'est Nono. Nono après, ouais. Il y a un truc que tu veux ou pas? Je kifferais bien voir la série. C'est vrai? Il bait. Non, c'est vrai ou pas? Non, tu veux vraiment que je te dise un truc? Je ne pas ton truc. Moi, je vais prendre musique pub. Tu prends musique pub? Ouais, ça a l'air marrant. Ok, bah moi je vais tenter. Musique pub. Moi je vais tenter le rock.
Rock and roll. Ça, je vais attendre les séries à PA. Gob est triste. Non mais je pense pas être très bon hein, genre. Gob est triste. Moi série je pense je vais rien avoir. Je connais que dalle moi en rock hein. Attendez. Mais c'est sur Rock Gob, c'est sur l'autre genre 8 tu vois. Donc je suis en mode on va voir ce qui se passe. Bah, wow. Et bah écoutez, série t'aurais été chaud je pense mais... C'est parti, c'est là, premier extrait Rock and roll DFG qui doit faire plus de 6 points pour passer pour moi. C'est bien bonheur. Ouais. Il est bon. C'est bon. T'as le titre? Smell. Ouais. C'est ça là. Bonne réponse. Mais Nirvana, ça me suffit. Un point déjà pour DFG. Trap. Quelques secondes à peine pour passer directement au second extrait. C'est parti. Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Bonne réponse. Oui. Il est solide. Hein, ça c'est bon. Par exemple, bah, c'est un mec qui a 3 trophées, gros. ça c'est playlisté. Donc, ok, c'est playlisté de son côté. Pour l'instant, t'avais les deux gobs. Non, pas celle-là. Ok. Troisième extrait. On est parti pour DFG. Ah oui. C'est un Oli Bétop. Bonne réponse. C'est Scorpion. C'est ça hein. Ouais. Je crois que c'est Scorpion mais je sais plus. Alors est-ce qu'on peut me confirmer ce que c'est en régie? Je sais pas si c'est ça en fait. Parce que tu me fais douter. Moi je sais, c'est pas Scorpion. Oh putain. Oh ok, donc c'est que j'ai eu peur. Voilà. Parce que Tuxou est en régie et il pète un plomb. Moi je l'entends dans l'oreillette. Oui, en plus, je mais comment il sait pas ça et tout. Toto Holzheim, tu m'as fait douter parce que j'étais en mode normalement c'est connu quoi. Twix a ouvert la porte pour le DFG. Moi j'entends en régie, il a tout. C'est Toto. Il a tout. Toto Holzheim, mauvaise réponse DFG. On est quand même à 2 points sur 3 extraits. 4ème extrait pour DFG, c'est parti. Play the guitar on the MTV. Moi je connais le rock. Vous l'avez vous? Non. Comme ça je connais pas le rock mais j'aime beaucoup. Stop. C'est playlisted ça. Ah ouais? Ouais. Oh, rassurez-moi, il a pas le chat ou quoi hein. Non, il a pas. Je vois l'écran, l'œil sur l'écran. Je viens d'avoir la réponse. Et trop honnête pour ça. Non, ça j'ai pas. Putain, les gens me font des. Je préfère par respect pour le rock, ne rien dire. Non, mais je connais pas cette voix, je crois. Ok, Gob. Dire straight, j'ai pas l'accent, mais money for nothing. Et bonne réponse, dire straight, money for nothing. J'ai le dire straight. Dire, aïe aïe aïe, straight. C'est dire straight. T'as dit quoi? On enchaîne avec le 5ème extrait. Pour l'instant, deux bonnes réponses pour DFG. 5ème extrait. C'est sûr. C'est Bien joué. Uprising. Sur le chat, vous êtes très très fort. Hein. Genre, ça spamme toujours les bonnes réponses. C'est incroyable. Après, ils sont. Parce que ceux qui savent pas ne pas. Ils sont quand même 13 500. Voilà. C'est vrai qu'ils sont 13 000. Du coup, j'ai l'impression que tout le monde sait. Mais ça étonne. C'est insane. Ça étonne toujours. Mais ils l'ont directement dès la première seconde. C'est ça qui. Genre, même moi, j'entends pas encore la musique. On enchaîne. Bonne réponse. Bien évidemment, c'était Muse. Uprising. 6ème extrait. Ah oui, c'est ancien ça. Hein. Ouais. Bon, bah, attends. Je me rappelle ma jeunesse. Attends, j'ai un. 500 de Memories et c'est. Allez, mon frérot. 10 ans, 15 ans. C'est soit 13 Seconds to Mars, soit. Allez, mon frérot. Soit je sais pas qui. Fallout Boy. Fallout Boys, oui, bon. C'est Fallout Boys. Oh, mais t'es sérieux? Thanks for the memories. Bon, j'avais. Heureusement, tu as le titre. Il me dit jamais. Non, mais en fait, il avait un doute. Et c'est... Sinon, c'est Fallout Boys. C'est même pas. Il avait le titre. Non, mais non, non, tu sais, t'hésites entre deux. Il m'a sauvé la vie, ok? J'ai dans ma vie, ok? Ok, ok, ok. Bonne réponse. Sinon, n'hésite pas à dire Fallout Boys. Mais j'avais le titre, c'est bon, je l'avais. Oui, non, mais bon. Le titre était bon. Le titre était bon. Tu l'as lâché. T'aurais fait l'inverse, ça aurait été pas validé. En tête. Y'a aucun souci. Faut toujours donner la. Oui, c'est validé, c'est validé. La réponse que vous pensez sûre entre le titre ou l'artiste. C'est parti pour la suivante. Ça, c'est ACDC. Oh, t'as pas le droit de. Et c'est. Thunderstruck. Bonne réponse. ACDC. Thunderstruck. Combien tu peux remettre un peu. Elle est cool. C'est obligé. Bah, tu mets Rock, c'est obligé d'être celle-là. C'est peut-être une des plus connues, non? Oui, le parti de ACDC. Avec Back in Black, oui. Je pense pas que ce soit la plus connue. Bah, t'aurais trouvé pas mal de monde en fait. Oui, en fait. J'aurais bien voulu en fait Rock. Pas de bol. Ça va, ça va. On aurait voulu le rap, du coup. Il en reste une, DFG. On est pour l'instant à 5 bonnes réponses. Sur 7, c'est ça? Ah, y'a pas tout. Je crois que c'est la dernière. Et peut-être le 6ème point après ça. C'est parti. Oh, oui. Oh, putain.
putain, ah ouais, je frappe chaud, quoi. Je vois pas, il est en mode. J'en aurais pas eu un, quoi. Ah ouais, en fait, je connais les musiques, mais le titre. Ouais, bah c'est pareil pour moi. Ah, mais c'est vrai, tu as Linkin Park, In the Hand. Très très bonne réponse, c'était facile. Et on valide 6 points aussi. On sait sur les séries individuelles, ça marque des points, il n'y a pas encore de. Et c'est là qu'on voit le choix intelligent de Jones. Oui. Qui empêche d'avoir les 8 points. Exactement. C'est excellent stratégiquement. Ouais. Ouais. Il est bon. Salaud, ouais. Je suis sur l'analyse desk à côté. On va passer du coup à Nono, troisième série. Il nous en reste 3 du coup, série, film ou musique de publicité. Tu avais voulu musique de publicité. Ouais, DFG te l'a laissé. Est-ce que tu confirmes ce choix? Je confirme. Ok. Oh, il confirme le choix. On passe sur musique de publicité pour Nono. 6 bonnes réponses pour égaliser avec DFG et Shones. Peut-être 7 ou 8 pour faire mieux. On croit en toi, Nono. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Ça, c'est un ouais de 2 points, ça, généralement. On est parti. C'est greedy, quoi. Première musique. Ouais, c'est un peu. Kenny West. On veut la pub ou on veut la. Il faut la pub, hein. C'est la pub. Le produit de la publicité. C'est pas mal. Là, il a gagné aussi. Ah non, il faut le produit. Kenny West, c'est bon. C'était quoi? J'ai des regards en mode. Il faut le produit exact. Non, et le pour coup. Un parfum, c'était Invictus. Kenny West, le titre, tu l'avais pas. C'était Power, le titre. Kenny West, quoi. Non, mais c'est pareil. Le titre, le nom de la musique et la musique. Sinon, je peux dire le nom de la pub. Parce que généralement, il y a un point. Si t'as le produit de la pub, ça passera pas. Ah, ça passe pas? Non, non, c'est l'artiste ou la musique. Ah, bah si. Mais non, mais non. Ce serait marrant. Bah, genre les séries, tu donnes la série ou le film. Oui, c'est vrai. Et la pub, si tu trouves la bonne publicité, ça passe. Ok. C'est genre le bonus de trouver l'artiste. Okay, ça va. Du coup, t'as cette possibilité là aussi. Deuxième extrait, un point pour Nono. Ah, avec grave chose. Excitant. Ah, c'est facile. Ah, j'ai oublié. Comment ça se passe? Moi, j'ai dit que c'était excitant. Ça te rassure, je ne sais pas. Après, une date de naissance de sa mère. C'est pas mal, ça. Putain, je sais pas. Je l'avais pas non plus. Hein. Adidas, c'est les pubs françaises? Ça se tentait. Non, pas uniquement. Pas uniquement des pubs françaises. Enfin, si, des pubs qu'on connaît si en France. Oui, il y en a en France. Fallait être en Amérique à ce moment-là. Voilà, c'est déjà pas. Ah, la merde. C'était en 2001. J'ai pas voyagé à cette époque. Je sais pas. Adidas, je demande confirmation à la régie pour pas faire de bêtises. J'aurais répondu. C'était pareil. Une pub pour Mercedes et c'était du coup Kavinsky Road Game. Qu'on connaît bien. Je connais cet instrument. C'est un artiste français parce que. Comment il s'appelle? Et sur le chat, ils ont trouvé? Moi, je me rappelle du clip où il y a un mec qui est de dos tout le temps avec un logo spécifique, je sais plus, le logo du coup du groupe. Tu l'as dû voir. Et il tape des gens en fait dans la rue. Non, c'est Justice. Bah, c'était pas ça la musique? C'était Romain machin qui avait fait le truc. Kavinsky, c'est celui qui a fait. Mais moi, j'ai fait Drive. La musique, c'est le film Drive. Justice, ça. Et non. Ok. Ça, c'est Kavinsky l'artiste. Est-ce il est français aussi. Est-ce peut se reconcentrer sur. Mais je. Non, bon, on est comment d'accord, ça se Caméra 4, gros plan sur animateur. Mais je crois qu'il a un problème. Comment ça se passe en Irak? C'était stress, ouais, Justice. Dwag, on a une news qui vient de tomber. Dis-moi. Comment ça se passe en Irak? On enchaîne. T'es remplacé par Twix. Troisième extrait. C'est parti. J'ai chaud. Oh, celle-ci, tu l'as. Focus. Ouais. Non. Non, on peut lui encore un peu de temps. Elle va démarrer, dès que ça démarre. Ah, le premier jingle. Si, c'est ça quand même. Non, c'est facile. Mec, c'est... On s'est fait bourrer le crâne avec ça. Ah oui. Je connais pas. Ah, je sais. C'est de la publicité passe. Un point pour Josie, mais. Ah, non, mais je crois que c'est une. C'est pas un truc téléphonique. Quoi? Ah, si. Tente. Non. Sean, c'était quoi? J'ai plus envie de le dire. Pourquoi? Bah, il est interdit. J'ai pas le droit. Personne l'avait? C'est la réponse de Nono. Bah, c'est le chat. C'est la réponse. Tout le monde l'avait, hein. Genre, enfin. Oui. Non. Ah, ok. Moi j'avais. Si j'avais. Tu l'avais, Sean. Nutella. En fait, la musique. Moi j'étais avec Evian à un moment. Ah oui, c'est vrai. C'est le Nutella. Tu sais, quand ils Andreas Johnson, Glorious. Oui. Avec leur bon pain. Tu sais, le pain que tu trouves jamais dans ton boulanger, mais eux ils ont un super pain. Il y a que eux qui. Il y a des blocs de Nutella. Genre le couteau, quand ils enlèvent le Nutella, il y a plus de Nutella sur le couteau. La ville se barre avec. Tu es trout. Il y a pas bouillie. Oui, qu'elle fait ça aussi, moi, c'est ça. Allez, prochain extrait, c'est parti. Non, l'attends pas. Nouvelle musique de publicité pour toi, Nono, c'est parti. Ah, bah facile. Ancien. Parce qu'en fait, tout dit un truc. Et Corée? Non, c'est pas. Du coup, il est sur le petit déj jaune. Donne deux tentatives à Nono. Putain, mais genre, c'est une pub, ça. Personne. Après, là, c'est le solo du mec, hein. Je pense que t'aurais dit ça. Elle est plus dans la pub, ça. Là, j'aurais pas dit celle-là. Moi. Ah, j'aurais pas c'est dit celle-là, mais. Etam.
Hein? Hein? Oh, mais genre. Ah, et t'as le truc de vêtements? Ça, ça te dit rien. Oh, ça va l'aider là, je pense. Refais-le juste. Ah, oui, c'est vrai que sur le deuxième tas, t'as droit à une chance. Sur le deuxième tas. T'as droit à DFG en acapella. T'as droit à DFG en acapella. DFG en acapella, peut-être sur une deuxième. C'est le soutien du support. Sérieux? C'est le joker, c'est ton joker. Tu utilises ton joker. Tu l'utilises, c'est parti. Tu sais quoi, ta race? Écoute, c'est ta race alors. Et ma bonne réponse. Ma race. C'était Coca-Cola. Coca-Cola, oh, c'est une spécial pour sifflement, là, bah pour la publicité, faut le savoir. Attends, mais on peut pas mettre des pubs de 1990 quoi quand on regarde la télé. Bah, si tu veux, on change tout du coup. Allez, tu vas trouver. Là, tu vas trouver. C'est parti, prochain extrait. Une seule bonne réponse pour le moment. Non, par contre là, non. Mais quoi? Mais genre, non. Genre, ça vous parle? Oui. Non, ça me parle pas. Ça. Mais qui regarde la télé? Mais nous, on regarde le chat, de toute façon. Donc on... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont vu, eux deux, là? On dira après. C'est par rapport à moi? Non, zéro. Ça va. Gardez le secret. C'est par rapport à moi, alors? Ouais. C'est quoi? Je me vois. Mais j'en sais rien, mais putain, mais quelqu'un là? Mais pourquoi t'as choisi les pubs? Orange! Oh, bonne réponse! Non! T'as rendu. Non, vraiment? Ouais, j'ai orange! Tu savais, mec. Tu savais, Vito, tu savais. Bonne réponse, orange! Du coup, 2 points pour Nono, il le savait en vrai. Non. Mais moi, je suis en train de me dire. C'était Air France, la musique de Air France. Tu sais, je regardais le chat, je me suis dit, tout le monde s'est trompé. Eh oui, c'est Air France, c'est là du coup, quoi. Il est où? Mais c'est de notre. Une bonne réponse pour l'instant, mais en tout cas, très bon choix. Il y a un mec, il a dit, c'était pas mal. Nono, il a vécu l'invention de la télé, il n'en sait aucun. Et juste sur le moment, c'était pas. Il a continuons. Mais genre le chat, ils connaissent ça le chat? Non, mais certains, sur 14 000 personnes. En fait, il y en a massivement spam après. Si t'en as 102, ensuite quand tu vois au-dessus, moi je les connais tous en regardant quoi. Oui, c'est ok. On enchaîne avec la prochaine publicité. Voilà, normalement. Évident. Fin de l'express. Comment ça, fin de l'express? Il a arrêté du coup la régie. Il dit, oh le bâtard, il le fait, tu sais, genre. Attends, il manque 4 notes là. Ah ouais. Mais non, pense mais à la version a cappella de DFG après. C'est... Ta-da-da. Je sais plus c'est laquelle. Oh, c'était un bon choix, les simples. Tu l'as dit il y a pas longtemps. Ça va? Ouais, c'était pas Attention aux indices, attention. Non mais attends, le pauvre. Il a un point. C'est du parfum, non? Non, tu as pas dit le mot exact. Essaye un autre mot. La vaisselle. Même gank. J'avais le plus. Marque pouce. Et écoute la musique. Pense la musique. Non, mais ça te... Pense à un groupe de musique que j'ai trouvé dans le dernier truc. C'est horrible comme indice. Non, mais ça peut les aiguiller. Moi, je sais pas. Mais à aucun moment tu dis ah ouais, c'est. Ouais, oui, parce qu'il l'a dit. Je sais pas ce que c'est, parce qu'après le chat dit 20 000 trucs différents. Ouais, le chat, même le chat est pas sûr. C'est pour Audi. Ah, mais c'était non. C'était quoi du coup? C'était Diesel. Ah ouais, le parfum. Oui, le parfum. Diesel. Wookid. À ce moment, moi, le chat, c'est pas Wookid. Ouais, ouais. Le chat, c'est pas Nike. Je pensais que c'était Nike. Bon, normalement, les deux dernières, tu les as 100%. Mais genre, merci à normalement, tu les as. Allez, 7ème extrait. Peut-être le chat suit la première personne qui écrit, oui. J'ai l'impression. On va voir le premier qui écrit et ils vont tous écrire la même chose. C'est ça. Ah, Pepsi. Orangina. J'adore, il le regarde, il fait non, pas celui-là du coup. Schweppes. Hein? Oh! Pas de réponse, oh, Nono. Ouais, Schweppes, c'était la pub Schweppes de Weval Detian. Je veux dire, c'était pas Orangina, tu voyais, peut-être, pas Coca-Cola, et Schweppes, c'est vrai que ça correspond un petit peu avec ce style de musique. C'est une scène, il a quoi. C'est toi qui... Je sais pas, moi j'ai rien fait. Qui l'a dit? Ah non. Oh, c'était stylé. Ah, parce que c'était impressionnant. Attention les gars, on a l'arbitrage vidéo ici. deux bonnes réponses pour Nono. Et d'un coup, je suis très content. C'était pas évident. Attends, mais il y en a encore une en plus. Oui, il reste une dernière, peut-être 3 points pour Nono. Après ça, c'est parti. Oh non, Sniper. C'est bon. Ah non, c'est bon. Oh mec, t'as pas le droit de louper. L'hymne breton. Ça me tient. Elle passe encore aujourd'hui. C'est une claque. Ah, c'est pour les galettes bretonnes. Pas ça. C'est les parents de Gob qui ont fait. Mais moi j'ai la petite danse là. Tu l'as inversé à ça. Avec la petite fille. C'est pour la nourriture. C'est la nourriture. L'hymne de Ghana.
Mais qu'est-ce que... Mais c'est, je te dis, c'est de la nourriture, gros. Bon, ah, Gomme, quelle était la réponse? Non, si moi je sais, pas les Bretons, gros. Oh! Donc, mère grand. Enfin, tu sais la marque là. Ouais. Grand-mère, mamie. Mamie de marche. Ouais. Gomme. La poulette, quoi. C'était Madame Louis. Si je dis pas de bêtises, le fromage. Bah vas-y, mais quand tu dis ça. J'aurais dit pays breton. Mais... Les gens disent ça, les pays bretons. C'est le fromage. Ouais, c'est le même groupe. Mais moi j'ai l'image. Paysan breton. Loupérac. Ah, ouais, pardon. Michel Augustin. Moi aussi, je pensais aussi un paquet Zach. Bon, bah malheureusement, que deux bonnes réponses pour toi, Nono. C'est déjà pas mal, moi je trouve. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On est à 6 du côté de Jones, 6 du côté de DG. Deux pour Nono. Elle était un peu dure celle-ci. Bravo, Nono, quand même. Bravo. Mais il fallait que quelqu'un la prenne. Il nous en reste deux. Série et film. Il nous reste aussi deux joueurs, Domingo et Gob. Qu'est-ce ouais. qu'on choisit, Pierre? Et là, vous me voyez en gros plan. Là, c'est le moment. Salut. Il est rouge. Je vais prendre série. Série. Ouais. Oh, bah, c'est non surprenant, ça. Oh, non. Je vais... Non, mais film, en vrai, c'est peut-être plus facile. Parce que je suis série. Pas... On regarde pas et film. Je regarde plus on rien. On prend série, on laisse film, du coup, à Gob. Ouais. 8 extraits. Est-ce que tu es prêt? Bof, mais allons-y. J'avais fait 3-4 points, je crois. T'inquiète, 3, ça suffira de... pour survivre. Allez, personne n'intervient, on laisse PA se débrouiller. C'est parti. C'est un truc de détective. De série flic. Je sais pas. Monk. Je tente Monk. Attends un peu plus. Ah, mets un peu plus avant, je vois si c'est pas rapport. Avance un peu la musique. Wow, ah ouais. Voilà. Voilà. Ah, Dexter. Non, attends, attends, oh, non, attends, attends. Oh putain, c'est non, j'ai pas maté. Oh, tu connais ça, frère. C'est un truc qui est surcoté de fou. Il dans le micro. C'est pas moi qui le pense, c'est ce qu'on dit. Du coup. Allez, la prochaine réponse sera celle qui sera validée. Je vais demander mon indice. C'est un gars, Jesse Pinkman peut-être. Ah si, j'ai détesté Breaking Bad sur côté voilà. De. Oh, ah, j'ai pas le point. Là, j'ai pas validé, pardon. J'ai pas le point, mais c'est pas okay. Sur côté. C'était Breaking Bad. Oh, c'est pas mal. Moi, je pense que sur côté, bien. C'est lui. Hein. C'était bien. C'était vraiment, c'était... moi, j'ai trouvé ça bien. C'était chiant. C'était pas mal. Deuxième extrait. Trop long, je suis d'accord. C'est parti. Pour certains. J'aime quand même. Oh, c'est l'intro de l'SWC 2013. On en réponse. Je suis bien content de m'avoir ici. Ouais, je pense que c'est celui que t'as pas forcément regardé. Highlander. Allez, trouvez la musique. Ça aurait pu être Highlander, tu vois, dans l'ambiance. Ça c'est chaud. Ouais, l'accordéon, la musique, etc. Hein. C'est chaud. C'était quoi du coup? Et qui l'avait pour l'enfant celui-là? Moi j'avais. C'était Black, c'est quoi? Black Soul. Black Sails. Ah, si, elle est un truc de pirate. Tu vois, ça par exemple, j'ai maté, mais. Ah, je l'ai pas, je connaissais pas. Bah, en fait, tu passes le générique quoi. Mais c'est bien ou pas? Sauf si tu kiffes de ouf. Ouais, genre, quand tu passes 10 épisodes par jour, tu le passes quoi. Je comprends. J'ai envie de la regarder. Moi, j'ai envie. Troisième extrait. PA, faut marquer le premier point, c'est parti. Oh. Non, par contre, là, ça va partir en balayette. C'est un truc, gros, c'est un truc que je connais, mais oui, je non, suis mais... pas capable dans mon cerveau de retrouver à quel point. Que toi. On en a parlé 2000 fois. On en a parlé 2000 fois. Reste focus. Non, mais arrêtez de lire. C'est un truc. Ah, c'est pas X-Files. Oh, le pauvre. C'est quand le prochain blind test? J'ai trop hâte, moi aussi. J'ai tenté d'être malade pour aujourd'hui, mais ce serait vraiment la prochaine fois, quoi. Ah, je sais pas, c'est un truc. Ça me dit un truc, mais vas-y, tu vas me le dire, ouais. Ça va me dire, vas-y. Stranger Things. Ah ouais, voilà, du coup. Je crois que c'est le... C'est la version turque ou. C'est la version turque. Répète-nous, Stranger. Stranger Things. Oh. Vas-y, dis-le. Stranger Things. Ah, mais c'est super. Stranger, oh, Stranger Things. Les gens hésitaient avec Iron Fist. Aïe, il faut marquer un point, PA. Ça devient urgent. Quatrième excès, c'est parti, concentre-toi. Personne ne le dérange. Pas obligé. On est bien à deux points. Ah voilà. Bien ça. Ouais, pareil. Super facile. Un peu long, quoi. Oui, c'est trop. J'ai lâché un moment, tu vois. Ouais. C'est chiant. On en a parlé 2500 fois. Dead Zone. Non, non, non. Vas-y, mais Dead Zone. Eh, bon, j'ai pas eu Dead. Ouais, mais bon. C'est le mec qui fait la vie, wesh. Mais j'aurais pas eu. Ouais, non. J'aurais pas eu. Merci de t'en faire plus au moins, toi. Pareil, je Doctor House. Doctor House qui n'est pas validé aussi. Non, mais le mec est en train de faire le jeu de Doctor House. Laissez-le. Laissez-le. T'as combien de points? T'es à zéro. Non, mais c'est combien de questions? 5. T'es à la moitié.
Allez, il en reste 4. Laissez-le tranquille. Vous le faites paniquer en vrai. Parce qu'ils font semblant, ils l'ont dès le début. Du coup, t'as l'impression que c'est pas bien de pas l'avoir dès le début, alors qu'ils l'ont même pas en vrai. Arrêtez. Si, si. Bon, tu l'as peut-être. J'avais un point, moi. Non, mais aidez-le, il est malade. Tu l'as fait aux autres candidats. Mais moi, ça me dérange pas. Ah oui, voilà. Il a lâché. Ah, mais c'est évident. Cinquième extrait. Tout est à faire. Quoi ? C'est évident. PA. Je suis en mode moins de bruit s'il vous plaît, les gars, parce que j'ai pas l'instru. Oh non. Arrêtez. Pardon. Ça a l'air épique, ça. Non, s'il te plaît, pas sur ça. Mais je connais, mais putain. Mais mon cerveau fait pas ça. C'est pour ça que j'ai pas de rythme dans la vie, c'est genre. Regardez comme mais vas-y, envoie-le toi. Je sais pas, c'est un truc breton peut-être. C'est pas loin. Moi ça me ferait penser à un Disney en vrai. Mais non mais je vais pas avoir ton... je vais me faire lyncher. Ton anus c'est ouais, pas une pas un c'est pas un donut. C'est quoi du coup? C'est une... Ah c'est les Simpsons. Je sais pas, elle est pas un donut. Ah, genre... J'ai des impôts aussi ce genre. Mais tu vois, il y a la clash, il y a la clash comme ça. Ce ne sont pas tes amis. Stargate SG1. Ah, Teal que je t'aime. Moi, voilà, moi je me souviens de Teal, je me souviens de Captain Carter, mais je me souviens pas du putain de générique. J'étais pas là dans le générique. Il y a Twix qui est venu, qui a montré un visage très triste et qui est reparti. Oh non. Twix, je m'étonne, il faisait que les génériques de Stargate. On peut dire tout le générique. Je t'aime. Allez, il en reste 3. Allez, 0 sur 5. Tu vas y arriver. Okay, il en reste 3. On est parti. Et là, je veux un point. Les gars. C'est la bonne musique. Good morning, USA. I got a feeling. Oui, il le fait. Il le fait. C'est un point. Normalement, ça n'est pas tout. Le vainqueur. Et plus dur. Il a un point. Yeah, on spam Domingo dans le chat. Excusez-moi, j'ai changé. J'ai un point. Il a. Soyez fiers de moi. Il le fait. Il a un point au moins. C'est validé, c'est fait. Mais je vais faire 0 après. Heureusement qu'il parle, par exemple. C'est vrai que les paroles aident beaucoup. Putain, ils sont. Normalement, je le connais, c'est censé déclencher les points à la chaîne. C'est parti là, ça y est. C'est parti. Ça, je m'arrêterai. Septième extrait. Vas-y, au revoir. C'est directement du Narcos. Bonne réponse. Ça y est. Ça, c'est mythique, ça tresse. Ça, c'est opérant. Pas les autres. Target est bien. Ouais, quand même, j'avoue qu'il tient celui-là. Dr House, quoi. Il est en train de mettre des balayettes dans le 19ème, il mate Target. Ouais. On va pas revenir sur cette période sombre de la vie. En vrai, c'est genre. Ah, c'est tellement vrai. T'as les planètes Chio. C'est genre. La porte des étoiles. C'était un rêve qui mettait des balayettes. Bonne réponse. J'imagine. Deux points, peut-être le troisième point. J'en sécure un après cet extrait. C'est la dernière. De la série. C'est bien. Série. Walking Dead. Mais voilà. Bonne réponse. Bravo. Oh, je suis bon. Oh, je suis bon. Voilà. C'est 3 points, mais je suis incroyable. Mais t'es assuré en pote. Oh putain. Bien sûr que c'était Walking On Dead. On va aller chercher. C'est bon ça. Mais moi j'avoue, j'ai du mal à trouver à associer. Ah, je vais faire pire que toi. C'est pour ça que le blind test c'est pas un truc que t'inquiète même pas. Parce que j'ai du mal à associer. Tu, bah Gob, là t'avais minimum un point sur ce coup. Non, les séries, c'est allé. Maintenant, c'est mon tour de faire. Oh, ouais, bah oui. Non, mais oh, mais facile. Mais là, tu as 3 points pour Domingo qui passe devant Nono, mais qui est un petit peu derrière Shones et DFG qui, eux, sont à 6 points. Il nous reste Gob qui n'a pas eu le choix sur sa série. Alors, qu'est-ce que t'aurais choisi, toi, à la base ? Vrai, j'aurais mis. Bon, j'aurais pris rock quand même, histoire 2. Après, j'aurais mis série et après film. Par contre, rap français, musique pub, j'aurais été. Ok. Donc, on est quand même pas si mal. On s'en sort pas si mal en étant le dernier à choisir. C'est le moyen. T'as ton troisième thème. On va essayer. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Bah, en fait, il y a que moi. Je... Okay. Ouais, nous, parce que c'est... Nous, vous voulez m'aider? Êtes-vous prêt à tailler? N'hésite pas, DFG. Hein. Allez, c'est parti. Go, premier extrait. Go. On est sur les films, bien sûr. Ah ouais. Attends, faut que j'enlève. Oui. Bon, j'enlève. Mais vous trouvez pas ça? Vraiment? Même moi, je l'ai. Ça, c'est Master 300 points. Oh putain. Bon, je suis bon à LOL, mais. C'est Cuba? Ah, c'est Cuba! Enfoiré. J'ai pas. Ah bah, je te mets tout là. Quelqu'un là? Tu l'as pas? Tu tenterais un? Je mettrais un. Oh non. Tente-le, ça peut être beau jeu. Tente. Ça t'a souvent réussi. Mec. C'est un truc dark, tu vois. Gros, ouais, tu vas le faire. C'est épique, ça vient de chercher. Non, ouais, allez, Ogami! C'est un truc trop dark, genre, je sais pas. C'est énorme. Non, je sais rien, j'arriverai pas là. Tu t'en fais un droïde super-héros ou je sais pas quoi, mais j'arriverai pas. Allez, chose, c'était quoi? Inception. Oh bah non. Ah, mais j'ai pas regardé, my bad. Film. Je sais que c'est honteux, mais j'ai pas regardé. Célèbre. T'as pas regardé. Ouais, j'ai pas vu. Avec Mr. DiCaprio.
Mauvaise réponse. Deuxième film, c'est parti, c'est maintenant. Il y a des accents partout, les Harry Potter. Bonne réponse. Ouais. Bien joué. Je suis vraiment bon. Harry Potter. Ça, t'as regardé. Nice. Bonne réponse. Ouais, ça, ça va. Troisième extrait, c'est parti. Oh, c'est un vieux film de mort. Enfin, de mort, je suis peut-être pas obligé de le rajouter, mais... Ah oui, là-dessus. Oh, ah oui. Attends, merde, non, j'ai pas le nom. Si, C'est un breton, lui aussi. Oh, j'ai peur de dire une bêtise maintenant. Indiana Jones ou pas? Mais qui est proche, non, dit ça, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. Oh, j'ai peur. T'as dit quoi? Attends. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Quoi? Oh, la honte que j'ai du coup. T'as dit quoi? J'ai dit Indiana Jones, mais c'est pas. Ouais, si, c'est ça. C'est ça. Oh, j'ai eu peur. J'étais en train de me dire. Il doit y avoir un gros bâtard. Pourquoi ils sont choqués? Parce que du coup, j'étais en mode. Indiana Jones. Pour moi, il y avait que celui-là, du coup, j'étais en mode. Bien sûr, c'est le sentiment. Deuxième Je me suis dit, putain, j'ai refait une Cuba, tu vois. C'est comme 7ème compagnie au début. J'ai refait une Cuba. Quatrième extrait. On est parti. Gob, c'est à toi. Marque plus trop maintenant, s'il te plaît. Reste à deux points. Oh merde. Donc Big qui fait la chorégraphie. Alors c'est soit Gladiator, soit 300, soit Spartacus. Non, Spartacus c'est une série. Les gens hésitent hein, dans le chat, ouais. Entre deux choix. C'est confirme-moi la régie. 300 Gladiator, je pense, mais attends. Les deux. Je gagne 0,5. Gladiator, je dirais. J'ai trop peur de dire une connerie. Mais même Dolby, c'est pas. Parce que beaucoup de gens disent Gladiator, mais c'est pas Gladiator. Hein. C'est pas Gladiator. Pour moi, c'est la chute du Faucon Noir. Quoi? Les gens disent ça dans le chat. Ils hésitent entre les deux. Je connais même pas ce film-là. Pourquoi? On confirme, moi c'est okay, bien la chute du Faucon Noir. Je moi le aussi, connaissais. Ça m'a un peu fait genre Gladiator. Je ne le connaissais pas. Ah, j'aurais dit Gladiator, ok. Bah, c'est ça se ressent. C'est dommage. Je regarde au moins. Ah ouais, je le connais. Tu sais, le mec, il a tenté un truc, mais en fait. Regarde-le, c'est un truc. Je connais juste la musique. Maintenant, il connaît la bande sonore. Gladiator, c'était le meilleur film. Deux bonnes réponses sur quatre extraits. On arrive sur le cinquième. C'est parti. Les gens, ils disent que c'était sur le. Ah non, ça se ressemblait énormément. Autant pour moi. On regarde pas comme ça. Ah, c'est du Metal Goblin. Ah non, j'ai le son mais j'arriverai pas à... C'est d'actualité. Ah ouais. Ah oh, bah je vais pas alors. J'ai pas regardé de film depuis. Enfin si, j'en ai écouté quelques-uns mais il y avait pas cette musique. Je sais pas. Non, tu tentes pas. Non. C'est un Marvel, quelqu'un l'avait? Ah bah j'ai pas trop regardé. Avec le chat je l'avais. Les Gardiens de la Galaxie. Ah oh, si, en fait, je suis... Ouais, ok, my bad. Ah, je suis nul. C'est ce genre de son. Gardien okay. De la Galaxie, Fox on the Run. Si, si, je l'avais. On enchaîne sur le sixième extrait. C'est parti. Allez, mon copain. Waouh. Je peux pas dire tout ça. Non, pour l'instant, ça me dit rien. Oh, ça fait bouger la tête. Hein. Ouais, j'aime bien la musique, mais... Ça suffit pas. Est-ce que vous êtes chaud, merci. T'as rien. Oh si là, si. Le drop est quand même violent. Ah, il est trop stylé, mais... Non, j'en ai toujours pas. Putain, c'est dur. Pacific Rim. Oh, en plus... ouais, non. Un film, film américain, quoi. Un film américain qui a pas mal, super bien marché. Ça m'avait bien plu, en vrai. Bon, allez, tu peux te rattraper sur ça, c'est quand même oui, bien vu. Quelque chose deux fois en plus, qu'on ne peut pas normalement louper. Pacific. À toi, Gob, pour peut-être ta troisième bonne réponse. Ah, Seigneur Zano. Trop long. Il est bon. C'est l'instant émotion. C'est bon. Ah, si là je pouvais pas rater. Si vous avez y a Gollum dedans sur Shrek, moi. Ah sérieux. Ah, non. Si vous avez une confidence à faire, c'est le moment. Moi c'est une larme que j'ai. Ouais, mec, c'est vraiment best film. Genre. Oh là là. Mais moi ça vient du cœur, ça se sent. Moi j'aime. Ah, non, je vais dire un truc. L'histoire est trop dessus, bien. Genre j'adore, mais ça vous fait pas chier à des moments les passages. Si. Avec... Quand tu revois les passages avec Gollum et genre. Ah non, moi ça encore qui me casse les couilles. Ah ouais. Ah ouais, de ouf. Mais putain, quand t'as Gollum qui mange son bout de pain là, tu. On s'en fout, c'est Gollum. Ah, ça tu kiffes, ouais. Quand y'a Legolas et Aragorn, t'es en mode, mais dégage, on veut Gollum. Je regarde tous les passages de Gollum, genre. Gollum et Gimli, c'est bon, genre. Ah ouais, je suis en mode, vas-y, mets des flèches là, vas-y. Gollum et Gimli. C'est les meilleurs, mon gars. Seigneur des Anneaux, bonne réponse. Troisième bonne réponse de Gob. Et on arrive sur le dernier extrait avant de passer sur les sessions 100% collectives. Dernier extrait, on cherche un film. Gob, c'est parti. Ouais, c'était le dernier. Gollum et Gimli. C'est le meilleur. C'est ce mec qui est fan de Gollum. J'ai failli acheter une figurine à 300 balles avec de Gollum. Il est bien stylé. Ça fait penser à
à la musique de GoldenEye sur 64, mais ça doit pas être ça. J'ai jamais vu ce film. Ah, jamais. Non. Jamais vu quoi? Ah ouais. Moi j'ai kiffé quand même, je sais pas. Ah si, ok. Pour l'époque j'ai kiffé aussi. Ouais, c'était bien, oui. Il va falloir quelque chose. Allez. Bon, je dirais. Bah non, bah, ça peut pas être GoldenEye, genre la musique qu'on va connaître. Genre. La musique de tous les montages, j'ai mal à servir. Non, j'aime bien. Y'a quoi? La musique. C'est le but de tous les montages. Si on prend comme ça, je suis pas sûr d'aimer. Tu vas voir. Oh, sérieux, c'était Matrix. Et oui. Oh putain, la vache. C'était Matrix. Mauvaise réponse pour Gob qui lui aussi valide 3 points avant de passer à la session collective. Égalité actuellement entre DFG et. Shones, ils sont tous les deux à 6 points. Juste derrière, égalité entre Gob et Domingo qui sont tous les deux à 3 points. Nono, dernier avec 2 points. Mais tout est encore faisable. Bah, 10 ouais. questions collectives vont être moi, je suis à fond maintenant posées. Donc 10 points potentiels à récupérer. Oui, PA. Est-ce que ça a bien vieilli Matrix? Pas ouf. Pas ouf. Pas ouf. Quand tu regardes aujourd'hui, tu kiffes moins. Ah bah, ouais. Pas, moi, j'en ai vu un il n'y a pas si longtemps, j'ai fait. Ouais. Ok. Lequel après, moi, celui en fait... où il y a tout le monde qui arrive et qui font avec leur Goliath et genre les deux armes. Qui tire vers le ciel et. Ah oui, genre oui. La bataille à la ah fin. Oui, vois, ouais. Le dernier, genre je crois. Après, surtout le. Pourquoi tu m'as dit 4 points Gob? Attends. Gob dit, ouais, on va les refaire. Inception, t'as pas eu. Hein. Oh, mais 4. Ouais, non, j'ai pas eu. T'as eu Harry Potter, t'as eu Indiana Jones. Ouais. T'as eu Seigneur des Anneaux et t'as eu Matrix, excuse-moi. Non, j'ai pas eu Matrix. Ah bah, il a pas eu Matrix. Non, parce que j'ai. Non, bah oui. Il a eu Matrix parce que j'ai fait ça. Mais oui, c'est comme Dr. House dans ces cas-là. Voilà, il a 3 points. Non, c'est 3 points, les amis. Au moins, on est clair. Oui. Le leader. Ma tricherie. Ah, il faut. Il faut être clair. Bah, le vainqueur de Neblan. On passe sur la série collective. Donc, comme d'habitude, levez le bras pour le moment. On va bientôt avoir un système de buzzer. Et tout. Ça va être incroyable. Mais oh, pour le moment, on fait encore comme ça. Ah, on préfère aussi. Enlevez donc, votre chat. Sans le chat. Un peu tous les thèmes mélangés. Voilà. Tous les thèmes mélangés avec des petites choses surprises. Ah, pour Gladiator, c'était pas Gladiator, ah, mais... C'était pas Gladiator, c'était la chute du Faucon Noir. Parce que les gens disent que c'était les deux. Après, c'est le même compositeur, je crois. Donc. Après si on arrive à me confirmer que la même musique est utilisée dans les deux, je pense pas. Hein, c'est le même réalisateur, mais c'est pas la même musique. Il a dû faire, voilà. Il a dû changer, quelques notes. Il s'est fait un kiff. Okay, donc il a vu uniquement 3 points. En tout cas, t'as plein de gens qui essaient de te défendre. C'est gentil, merci. Mais il va peut-être se rattraper sur les questions collectives. Vous pouvez jouer vous aussi chez vous, parce que là, ça va être une. Je sais. Alors juste, ouais. C'est quoi le thème globalement? C'est un peu de tout avec des choses en plus qu'on n'a même pas eu dans les thématiques du début. Donc c'est vraiment très large. On est parti. On lève la main. On lève la main. On lève la main. Préparez-vous. Le prochain blagueur se présente. On ne parle pas. Non. Que la main. Que la main. Vous avez entendu les gars? Que la main. Que la main. Les mains sur les accoudoirs. Bien sûr. Voilà. Pardon? J'ai la main sur l'accoudoir. Énorme. En plus d'être bon, blind test, il est drôle. Collective. À marier. Oui. Le bon, la brute et le triomphe. Bonne réponse. Là, ça fait plaisir. Tout le monde en veut. J'avais la main sur l'accoudoir. L'éternel second qui prend la main avec 7 points. Comment tu te sens, DFG? Moi, j'ai jamais été bon au blind test, donc ça me choque pas. Puis il a déjà 3 heures. Après, tu vois, il y a plus de place sur le. C'est son truc. Non, moi, je pense que j'ai pris une avance confortable. Je peux me permettre de voilà de miser un peu. Chill, ouais. C'est vrai. Ok. Deuxième extrait. C'est parti. Vivaldi. Oui, les 4 saisons de Vivaldi. Mais. Attends, mais non, j'ai pas le blind test. Parce que tu vois, c'est mignon, c'est une vis qu'on a pas vu. Ça, c'est le nul au blind test. Je tente de le dire comme ça, mais qui. C'est Vivaldi. Ah, c'est vrai, bah ouais, je le dis, les mecs. Mais j'avais que les chances. Bonne réponse. Lance-toi, mon nono, lance-toi. Jones, bonne réponse. Vivaldi, 4 saisons. Il marque 2 points déjà sur cette session collective, donc il a 8. Attention à pas se faire devancer. On enchaîne avec le 3ème extrait. Je vais demander confirmation en régime parce que j'ai cru voir DFG et Shaun en même temps. Et je crois que Shaun était un petit peu devant. C'est vrai? Je pense. Ok. Shaun, FL65, Blue. Ah, I'm Blue, Dabudi, Badouda. Ouais, je m'en rappelle. C'est incroyable. Putain, moi je la connais pas. Quand vous avez dit que Shaun était dans incroyable blind test, bah là il est en train de le prouver sur la série. C'est les musiques, ok. Allez les gars, réveillez-vous. 4ème extrait, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Oui, David. C'est Outkast et ça doit être AIA, je pense. AIA, bonne réponse, Outkast. Non, non, t'as dégainé plus vite. Un point de plus pour DFG, les deux sont en train vraiment de se livrer un duel. Oh, c'est incroyable. Ouh, oui. Non, mais je regarde, je trouve pas. Il y a le chat. En fait, vous avez. Non, mais. Il se soit comme je joue plus. Non, mais moi, j'en voulais la main en une seconde, je suis en mode. Il y a du délai, c'est bon, les gars. La dernière place joue le. Oui, c'est la chevette. J'ai vu un pied. Elle est la place avec le 5ème extrait, c'est parti.
va être dernier. Moi j'ai tort à l'FF. Un jeu vidéo, je crois. J'ai peur de dire une bêtise. Pareil. Moi pour ce temps, t'as plus rien à perdre maintenant. Retour vers le futur. Oh non. Oh non, non. Je veux le dire encore. C'est moi. Non, faut que je le dise. Confirmation en régie. C'est Nono, ah, on me dit. Putain, du coup, pochou. Bah oui. Bonne réponse. Le début m'a fait penser à un truc futuriste. Et genre, j'étais en mode. Oh non, non. Et Nono, c'est bonne réponse. Il marque son troisième point. Attention, il va être dernier. Il y aura un gage à faire pour la semaine prochaine. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de gage. J'invite Nono au retour. Semaine prochaine, il y aura un gage. Donc attention. Soupe au chou, bonne réponse. On enchaîne avec le sixième extrait. C'est la musique qu'il faut ? Oui. C'est parce qu'il est dans un film aussi, mais... Tu l'as, mon PA. Le film sera validé. Oh, bah, Visiteur. Bonne réponse. Oh, enfin, le film est validé, moi parce je pense. Parce que du coup, ça a été dans les thématiques de tout à l'heure. Le film est validé, on a dit qu'on acceptait. Elle est tellement bien cette musique. Et c'est Hera de Enae Volare. Et c'est The Visiteur, le film. Enfin, Les Visiteurs, The Visiteur. Oui, mais non, j'ai Les Visiteurs, le film. Bonne réponse pour Gob qui marque un point supplémentaire. C'est la merde pour moi. On enchaîne. Oui, DFG. J'ai... Fin de l'extrait, hein, quand il y a quelqu'un qui a changé. Oh non. Pourquoi tu l'as, PA? Et ça sera PA derrière. Ah merde, bah oui, du coup. Donnez une réponse, donnez une réponse. S'il vous plaît, y'en a qui l'ont. Allez, y'en a qui l'ont. Allez, allez, je peux demander un time, je peux demander un time. T'as une chance sur deux à la limite. Ah, c'est. Je peux demander un time. Allez, je sais pas. Bonne réponse. T'es quoi? T'as dit quoi? Attends. Oh. C'est un truc, t'as dit quoi? Aerosmith. C'est pas ça, frère. C'est pas ça, frère. Bah ouais, je sais. Oh, non. J'ai peur de dire une connerie. C'est pas Iron Maiden. Si, c'est ça, Iron Maiden, c'est ça. Il le dit dans sa bouche. C'est Iron Maiden. Bonne réponse. Non, mais j'ai trop peur. Sois sûr de toi, gars. Oui, je t'en mode. Non, mais parce que les gens me jugent. Après, il faut quoi? Non. Avec ce que toi viens de me faire, je te conseille pas de relever la main. J'ai voulu essayer. Oh non. Gob qui marque un point supplémentaire. Moi, je suis très content pour faire. Pour Gob. Il remonte. Attention. Mes points. On enchaîne. Avec le prochain extrait. Oui. Oh putain, je connais ça. C'est Ghostbusters, ça. Bonne réponse, DFG Ghostbusters. Merde, what the fuck. Ils sont chauds. Tu l'avais, les gars? Ouais. C'est bon. Elle est dans la playlist aussi, celle-là. Ghostbusters. Version métal, bien évidemment. Un point de plus pour DFG, du coup, il est à 8. Un point de retard sur Sean. On a Gob qui a 5, Domingo qui est à 3, mais égalité avec Nono, donc il faudra aussi vous départager. Il y a de la panique. Hein. J'appelle, Domingo est malade. T'avais gagné en duel. Domingo est malade et Nono, bah, il est en forme. Je t'ai pas bien. Par rapport à ce week-end. Ah, d'un coup, tu te rappelles. Il y a deux ans, il a eu un peu de fièvre. Il est pas encore vraiment en vie. Allez, on enchaîne avec le prochain extrait. Ah oh, putain, oui. Tali DJ. Non, c'est pas ça. Attends, non, mais non. Comment il s'appelle? Je suis désolé. Il a tenté. Je crois que c'était Nono en deuxième. Ouais, Frog. C'était Crazy Frog. Crazy Frog. Ouais, Crazy Frog. Ouais, Crazy Frog. Bang bang. Et ça vous fait penser à un film? Ça pouvait être Danny DJ. Bah, c'est Crazy Frog quoi. Non, Crazy Frog, c'est le remix. C'est un remix. C'est le remix. Ouais, c'est le remix. C'est pas bon. C'est pas long. C'est pas long. C'est pas bon. Ça, c'est le remix. Non, j'allais dire Crazy Frog, mais après j'ai entendu la suite. Let's Go, Bino et DFG. Non, bah, du coup, on donne le point à Crazy Frog, non? Bah, non, on donne pas de point! Oh, bah, le mec, il a pas bon! Du coup, t'as dit DJ est validé! Crazy Frog! C'est pas un truc avec une voiture? Si. Non, mais il y a une voiture! Il y a forcément une voiture! Non, c'est pas ça, non! Il reste DFG et Gob! Trouve pas, s'il te plaît! Tu vérifies sur le chat? Oui, c'est bon, ok, ils l'ont! Non? C'est ça date, hein! Non mais ça s'entend, ça date. Bon, je pense que j'accepte personne. Non, j'ai pas. Le flic de Beverly Hills. Ouais, j'aurais pas. Voilà, tu vois, tu me dis ça, moi je pensais à une voiture. Un truc un peu, tu sais, dans les rues, tu vois. Il y a une voiture dans l'histoire. Hein. Ouais, deux mecs dans une voiture. C'est bon, j'avoue, on a tous dit Crazy Frog à la place de l'original, quoi. On enchaîne avec l'extrait suivant. Il nous reste 3 avant la fin de cette scène. Oh, je l'ai. Bah, lève la main, Gob. Mais non, mais j'ai. Oui, Pierre. Aerosmith. Faut juste enlever le chat. Non mais je tente, ça passera bien un jour quoi. Bien essayé. Parce que qui t'a pas joué? Non mais c'est bien. Je tente de me démarquer. C'est pour Gob ça. Normalement oui. Là honnêtement j'en ai ça a été ramené pour toi. C'est soit assez d'essai mais non du coup. Laquelle? J'arrive pas à le... C'est pas une voix. Non c'est pas The Jam. Bon j'arriverai pas à le... Là je suis pas le nom. CDC, non. Je peux pas prendre ACDC. Les voix ne disent rien du tout, non je passe. Bah, j'ai la musique dans ma playlist, je suis en feu. Méga Z. Ah mais
Megadeth. Tornado of Souls. Ah ouais, ouais. Non, je l'aurais jamais dit le nom. Genre, ça vous dit rien ? Jamais dit le nom. Mais Megadeth, si, je l'ai connu. Mais... Megadeth, Tournament of Souls ? Megadeth, c'est connu de ouf. Tornado of Souls. Je suis infâme. Désolé. Dès que j'ai entendu la voix, je me suis dit, ça peut pas être assez décès. C'est Tornado. Tornado, du coup. Allez, on enchaîne avec l'avant-dernier extrait de cette série collective. Thème libre. Oui, DMG. Ça, c'est Rick Astley et c'est Never Gonna Give You Up. Égalité entre DMG et Shot. Ça que Megadeth, avant d'arriver sur le thème imposé. Égalité toujours entre Domingo et Nono. Ouais. Et Gob, tu dois faire attention hein, parce que Gob, il est pas très loin de se faire attraper aussi. Et il pourrait éventuellement peut-être finir dernier. Donc il doit rester concentré. Attention, il y a Nono, ça peut être très rapidement. You know the rules. Surprenant. Dernier extrait de la chroneur. C'est Mirri Libre. On est parti. Dernier extrait. C'est quoi la thème ? Toujours thème libre là. J'avais pas encore le petit peu avant. Future Mask Off. Ouais. J'avais même pas encore le son. J'ai demandé cette chanson en plus. Je l'ai demandé. On m'a demandé. Ah ok. C'est ça la chanson. On peut donner des musiques. Que j'avais pas. Non, c'était Future Mask Off. C'est Kameto, pardon. Yes. Du coup, Sean se positionne un tout petit peu moins. Yes. Tu m'as trahi. Oui, c'est vrai. Si je gagne de 2 points contre. Je casse le premier trophée pour Sean. Putain, pour une fois que j'ai premier. On passe sur le thème imposé. Chaque réponse vaut 2 points. Oula, et le thème imposé cette semaine, il y a moyen de marquer. Peut-être un combat. C'est les musiques célèbres dans les jeux vidéo. Pas forcément de jeux vidéo. D'accord. Donc là, c'est dans les musiques, pas le jeu. Moi, la victoire. C'est la musique, pas le jeu, là, qu'il faut compter. Tu veux dire. Je vous la laisse, les mecs. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'accepte le jeu. Ah, t'acceptes le jeu aussi. J'accepte le jeu. J'ai bien compris. Il faut trouver une musique. La musique ou le jeu. En fait, c'est pas la musique dans un jeu. C'est la musique qui est dans un jeu quand tu joues, t'arrives à cette musique-là à un moment, quoi. Okay. Mais elles sont connues. C'est celles qui sont ressorties. C'est pas si simple, mais ça peut se faire. Okay, vous allez comprendre dès la première. J'ai pas tout compris. Je peux réexpliquer, mais c'est un peu compliqué. C'est les musiques célèbres dans les jeux vidéo. Ça marche. Et en gros, tu dis soit le jeu, soit la musique. C'est la promotion du jeu vidéo, quoi. C'est pas l'intro de Street Fighter, mais ça peut être une musique d'un thème dans Street Fighter. On voit. Ok, on est parti. Thème imposé. Voilà. Ça, c'est Final Fantasy. Lequel ? 10. Et c'est quoi la musique ? Voilà. Wow, mais t'as pas obligé de dire autant. Tout un Arcane. Et oui, bah voilà, tu vois, par exemple. Là, il gagne 20 points, genre. Et ça fait 20 points plus. Ça, c'est la musique d'intro du jeu, quoi. Non, non, c'est la musique de l'écran titre, non ? Non, c'est au moment où il arrive dans un Arcane quand tout est détruit, etc. Et peut-être qu'ils l'ont aussi en intro. Arcane, let's play, les gars. Bah ouais. Let's play. Bon, peut-être. Désolé. En tout cas, c'était ça. Final Fantasy 10, Zan Arcane. 2 points de plus pour DFG qui passe devant. Extrait numéro 2. C'est parti. Donkey Kong. Non. Chapeau, ouais. Aerospace. Oh. Oui, Zelda. Ouais. Oui. Oh putain, t'as la musique ? J'avais après. Elle est assez connue. A Link Between Worlds. Oh, j'ai pas les noms. Bonne réponse, c'était Zelda. Musique de Zelda. Ouais, deux points de plus pour Gob qui se met en sécurité là pour le moment. Qui peut même peut-être remonter s'il a tout le reste en bonne réponse. Ah, non, ce qui est fort possible, il en reste encore 3. Vous êtes prêts ? Ouais. C'est parti. Putain. Je vais le tenter, les gars. C'est mon moment. C'est qui? Putain, mais c'est... Pourtant, la batterie est belle, là. Elle est énorme, la musique. J'ai peut-être le jeu vidéo, mais j'ai pas envie de tenter. Oui. J'ai envie de tenter Metal Gear Solid, mais non. Genre, je sais pas. Faut tenter, les gars, ça vaut 2 points. Ça, elle est trop bien. Je tente vraiment au hasard. Need for Speed. Non. Il y a des musiques similaires, en fait. Non. On va tenter, vu que c'est un peu métal. Brutal Legend. Non. Non. C'est Brutal Legend. Non plus. Musique numéro 43. Oh les mecs. Oh, c'était Call of Duty. Oh. Black Ops. Map Zombie. Donc sur la map Zombie. Ah, il fallait y jouer. C'est un jeu qui n'a pas été joué de mon côté. Ouais, moi non plus. Ah, c'était quand tu débloques le 4ème secret en fait. T'as cette musique qui. Avec le mastodonte là. Ça avait l'air d'être assez connu pour que certains sur le chat la trouvent. Malheureusement, personne ne marque de points. 4 points potentiellement restants avant la fin de ce blind test. On rappelle les scores, 1 point d'écart entre DFG et Shones, 11-10. Égalité entre Nono et Domingo à 3 points chacun. Et Gob seul à 7 points. Avant dernier extrait, on est parti. Non ! Non ! J'ai tout trop peur. C'est de l'époque ça. Non ! Demi Hawk ! Non ! Ça pouvait être Tony Hawk dans l'ambiance. Ça pouvait être, c'est trop mignon. Non, bah, je sais que DFG va me voler la victoire. Je sais. J'en ai marre. Étrangle-le. Étrangle-le. Ah, c'est connu. Étrangle-le. Confirme-moi, Régis. Il n'a pas trouvé. D'accord. Il peut pas trouver, mec. Il reste 4 personnes restantes. Je laisse le temps qu'il faut. Ouais, bah, mets toute la musique. Il va falloir tenter la prochaine des trucs, aussi.
C'est d'actualité aussi. Bon, remettez une minute. Hein. Personne ne veut rien tenter. Attends, c'est d'actualité. Ça veut dire qu'il y en a un autre qui est sorti il y a pas longtemps. Ou qui va sortir. Ou qui va sortir. Allez, c'est la dernière discussion. Crash Bandicoot. Pardon ? Crash Bandicoot ? Non. J'en sais rien. Il y en a un qui est sorti, je crois. FIFA. Il va sortir dans pas longtemps. FIFA, il sort tous les ans. FIFA, il sort tous les ans. Le nouvel opus sort dans pas longtemps. Je peux rien donner de plus. Oh, j'aurais jamais dit ça. Il reste Shones, PA et DFG. J'ai dit FIFA, mais. FIFA ? Non. Non, il a déjà dit. Date, si vous voulez. Oh, j'aurais jamais. J'ai maté le chat. Ah. Ouais, moi aussi, j'ai regardé. DFG, t'es le seul. Le dernier. Allez, ça. C'est pour toi. Tu vas me le dire, je vais dire ah ouais, mais je sais pas. Allez, tant pis, c'est pas grave. Rien. Ouais, rien. Ça sort le 2 juin. C'était Tekken. Ok, bon. Le thème de Jin. Mais oui, je suis un fils de pute, tu vois. Fils de Yashi. Bon, et bah le dernier. Il y a combien de points ? C'est maintenant. Un point d'écart entre Shaun, c'est DFG tout peu se joue là-dessus. C'est le dernier extrait. Musique épique. Putain, j'aime bien la musique. Elle est trop, elles sont trop bien les musiques de jeu. Ça, on aurait une musique de film. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça? Ça marche pas. Ah, vous sinon, les gars? On sait pas, je pense. Non, hein, je veux pas. Ça, c'est vraiment difficile du coup. Hein. Putain, t'as envie de balancer un. Personne, non, on tente pas. Uncharted. Ah, j'ai pas joué. Ouais, c'est cool. Tu crois qu'il en reste un derrière? Non, je joue pas aux jeux vidéo. Je joue aussi. PS4, moi, les gars. C'est lequel? Ouais, c'est des trucs PS4 et tout, j'ai jamais joué. Ok, bah. Il y en a un supplémentaire, on dit à la régie. Donne-le-moi à l'avance à l'oreillette parce que je l'ai plus sur l'affiche. Ok, on peut tenter ça. Allez, messieurs. Ah, c'est quelque chose. Non, 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 baisse la main. Non, je te jure, c'est quelque chose. Ouais, baisse la main. J'ai joué, c'était sur Game Boy. Non, je vous jure, c'était sur Game Boy. Attention, ça peut te faire passer devant PA. Non, c'était pas sur Game Boy. Non, pas une musique comme ça sur Game Boy. Non, j'avoue que c'est t'avais pas la même Game Boy que nous. Ouais, ouais. Je pense que c'était pas sur Game Boy. Sur Game Boy, t'entendais juste le bruit pas, quand tu fais un gros par Pokémon. Ça. Resident Evil. Non. Ce n'est pas Resident Evil. Et même sur le chat, ça galère. Ouais, ouais, tout le monde dit plein de trucs différents. Parce que moi, je suis co-commentateur maintenant. Qu'est-ce que nous disent les réseaux? Il y a 35% de vote. C'est la dernière. Mais vous savez pas, non, mais là c'est dur aussi. Bah, personne pas. Là. Ah, je sais pas. Et bah c'était Halo. Oh non, tout simplement Halo. Oh, ah, je l'aurais pas dit. Du c'est blind sur... test c'est officiellement ah, et DFG est encore une fois le grand vainqueur avec bon. 11 ah ouais points. Shones juste derrière avec 10 points. Ah non, si je... Ah non, je crois pas. Je crois que c'est l'inverse. Hein. Je crois qu'il y a égalité. Ah non, 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 attends, régie, confirme-moi qu'il y a bien 11. Je suis en mode Shones est devant moi. Ah non, non. 11 pour DFG, 10 pour Shones depuis. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, en fait, il a mis un 2 points. Ah, parce que j'ai mis... non, en fait, j'aurais dû avoir. Oui, mais moi aussi j'ai mis un 2 points. Non, non, t'as pas mis 2 points. T'en as mis 0. J'ai mis un 2 points sur le premier. Hein non, c'est moi qui ai le premier. Mais non, celui qui est Arcane, c'est la Fantasy. Ah ouais, 10. C'était le quoi, la Fantasy, puis ensuite c'était Gob qui a trouvé le truc d'avant. Non, il n'avait plus avant. C'était le premier, c'était le thème d'avant. Ah oui, c'était Futur Maskov, c'était un point. Futur Maskov, c'était un point. Ah ok, bah c'est bon alors. C'est bon, c'est bon. Ah oui, non, pardon. Oui, oui, ça. Futur Maskov, c'était sur la dernière du thème libre. Ok, ok, cool. Et on fait comment pour les derniers du coup? Parce que normalement, il dort. Et bah là, du coup, on va départager Domingo et Nono. Prenez votre temps, allez chercher à boire. Donc là, tu qu'on a un petit peu le gars à l'avant dans l'oreillette. C'est que le début de la soirée. Troisième musique. Je suis désolé. Bravo. C'est pas qu'on en a à l'infini. Donc c'est jusqu'à que vous un de vous le trouve. Bravo à DFG. Non, c'est vrai, c'est fini deuxième encore. Mais essaye de mettre tout cassé DFG mais genre jeu vidéo dans les jeux vidéo. Tu vas me battre. Il va me dire dans l'oreillette. Il vient me dire un jeu Game Boy. Mais l'éternel second en tout cas. Oh non. Ok. Vous êtes prêts? Ça peut jouer à la rapidité. C'est quoi le thème? Ça peut se jouer à la rapidité. Concentrez-vous. C'est quoi le thème? Y'a pas de thème. C'est toujours jeu vidéo. Quoi? Allez, préparez-vous. DFG et Domingo. Domingo et non pardon. On avait le temps. Ah, ça peut jouer à la rapidité. Mais tu l'as. Oh ah non. Davy qui lève la main, c'est beau. Destiny. Non. Allez. À toi, Nono. Ah ouais, t'as une boulette Destiny, mec. N'importe quoi. T'as rien. Mais time, il faut ça 10 secondes de plus pour pas l'aider. Vas-y, time. Tetris.
Non, mauvaise réponse. Pourquoi c'était t'es triste? DFG? Ah, oui. Ah, j'en sais rien. C'est bon. Okay. C'était World of Warcraft. Ouais, pardon. Attends, refais-le. Wow. même le wow. It was World of Warcraft. Est-ce qu'elle est plus forte? World of Warcraft. Warcraft. Il y a pas trop de joueurs. C'est pour ça qu'il a joué à Guild Wars, c'est un plus facile à dire. Mets-nous du Guild Wars. Je crois qu'on va faire un gage à deux. Moi, je joue à Guild Wars, les mecs. Il m'en faut une. Tant qu'ils ne sont pas départagés, on en. Après, on peut faire un gage à deux. Est-ce que vous êtes prêts? Ma choix, vous étiez là. Tu vas faire un gage à deux, tant qu'à faire. 3, 2, 1, Nono Domingo sur un gage. C'est parti. Non, on n'est pas des gamers en fait, on vient de la chanson. Si, je connais ça. Oh, bah, ça bah, attendez, je vais jouer sur Game Boy, non? Je vais leur dire un truc s'ils trouvent pas. C'est un jeu de combat, non? Vas-y. Je vais aller à la régie, vous allez trouver rapidement. Pourquoi hein tu vas à la régie? Dis-le là. Ah, ok, vas-y. Mais non, pour faire une idée pour la prochaine. La prochaine. Vas-y. Vous allez trouver rapidement. Vas-y, parce qu'on se débarrasse de ça là. Ah, c'était Skyrim? Non, Dota? C'est Dota 2. Mais non, sérieux? C'est Victor qui a mis ça, putain. J'aurais pu trouver moi. Du coup, putain, ton jeu de mort, personne n'y joue, Victor. Si, moi j'y joue. Aïe. Alors attendez. Là, ça va être le choix de Gob. Ok. Oh, et bah t'es sûr que ça va les départager? Twix, il va nous mettre la version 1980. Ok, donc Twix prend les choses en main, quoi. On a carrément Twix qui rentre dans le. Il va mettre les versions. Il faut les départager. On est coincé. On est coincé aujourd'hui. Désolé. On est coincé. Mais tu aurais dû mettre d'autres sons. Vous êtes prêts? Si tu n'as pas trouvé, ce sera bon son au pire, mais. Mettez du Camaro, quoi. C'est parti. Ah bah. Non, les gars! Non, arrêtez! Là, c'est moi qui ai mis en fait, c'est mon truc alors. Mais tu sais que je l'avais exactement en tête et j'allais le dire, moi j'avais bloqué aussi. Mais c'est trop bien celle-là, ouais, c'est obligé de trouver. Ah, elle est bien, Pierre des Caraïbes. Non, c'est pas un jeu. C'était plutôt. C'était plus un jeu toujours. J'étais plutôt deux. Un et deux. Oui. Ah, t'as pas pire. Oui. Non, il a triché. T'as triché? Non, j'ai pas triché. T'as pas triché alors. T'as pas triché? J'ai pas triché. Et bah, c'était ça. Parce que je me suis dit que t'es obligé que ce soit un jeu dans ce style et tout. Ok, bah c'était ça. GG. Ouais, bravo. Bien joué. Je suis pas dernier. GG. C'est terminé. Bravo. Nono qui marque 2 points de plus. GG. Fin du blind test. On a Domingo qui est dernier. 3 points qu'aura un gage pour la semaine prochaine. On a DFG qui lui promit avec 11 points. Shones, l'éternel deuxième, reste deuxième. Gob qui a fait une très bonne session. Ancien vainqueur du blind test. Mais aujourd'hui, il ne marque que 7 points. Et Nono qui, sur le fil, atteint les 5 points. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé chez vous. Vous êtes encore très très nombreux. Ah bah près ça, de 15 000 personnes. C'est un faible mot. Désolé d'avoir fait tirer autant le truc, mais bon, la série de m'imposer n'était pas facile. Comprenez, il y a le stress aussi. Hein, c'est facile derrière votre écran, mais c'est beaucoup plus dur. En tout cas, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Moi, j'en ai pris aussi énormément. On se retrouve très bientôt pour un prochain blind test. Ciao. Bye bye. Bravo à Dogby. Désolé les gars, Dogby faisait son outro YouTube. Ouais, avec Dogby a un train.